pourquoi vous m'applaudissez ce matin-là? Parce que ça veut dire que tu es un peu plus jeune. C'est pour ça qu'on compte avec nous. Ok. C'est très bien, tu as raison. Parce que avec vraiment la masse qui était au terrain, c'était une obligation de jouer de telle sorte qu'on peut apporter la coupe à Savanoukou. Et ensuite, ce n'est pas le football seulement que l'on peut réussir. Surtout, vous êtes des jeunes, vous êtes des élèves, vous êtes sur le banc. C'est à travers l'école qu'on peut aller en Europe pour continuer les études. Faire de telle sorte que les jours à venir, je peux taper ma poitrine que j'ai des élèves qui ont des doctorats, qui ont des DA, qui ont des maîtrises à l'école. L'éducation, c'est la base de tout. Vous les filles, ne vous mettez pas à l'écart par rapport à l'éducation ni au sport. Parce qu'il y a des joueuses internationales partout aujourd'hui. Les présidents des républiques, des hauts personnalités parmi les femmes d'aujourd'hui. La parole revient à vous tous. Vous allez continuer les études, c'est compris? Voilà, j'aimerais que cette année, notre école emporte la coupe de tournoi interscolaire. Après ce conseil-là, quel est votre rêve? Mon rêve, c'est d'être un médecin. D'être un médecin? Pour être un médecin, pour soigner les gens, pour garantir la vie des gens, il faut durement travailler. Asa, quel est ton rêve après tes études? Je n'ai pas terminé. Tu veux être tailleur? Je veux être docteur. Ok, être docteur. Daga, oui. Quel est ton rêve après tes études? Être un joueur. Être un joueur? Oui. Un grand joueur, c'est ce que tu veux? Oui. Être un grand joueur, un professionnel. Oui. Mais il faut beaucoup t'exercer et accepter de franchir les étapes de la souffrance. Parce que quand on voit les grands joueurs là, les Ronaldinho, les Kaka, ils ont accepté de travailler. C'est pas en dormant qu'on veut être un international. C'est compris? Mon rêve, c'est d'être un journaliste international. Ah, ok, être journaliste. Oui. Tu sais très bien qu'il n'est pas facile d'être journaliste parce qu'il faut maîtriser le français, l'anglais. Donc pour maîtriser ça là, il faut accepter d'étudier. Ah, c'est ce rêve là, c'est un bon rêve. Vraiment, je te souhaite bonne chance. Comment vous allez faire pour réaliser vos rêves?